Alors lui, c'est mon meilleur ami. Il est vraiment incroyable. Et cet homme aime les femmes plus que les femmes aiment les chaussures. C'est vrai, je vous assure, il a une nouvelle nana pour chaque occasion. Quant à moi, j'ai couché avec seulement deux nanas de toute ma vie. Et à chaque fois, ça s'est extrêmement mal passé. Je ne comprends pas. Si ça se passe mal, c'est pas... Non, à mon avis, c'est pas bien si on se met la pression. Il faut le faire seulement quand c'est le bon moment. Nous avons Charlie en ligne. Allô, Charlie, parle-nous de ta première fois. Je suis vierge, je voudrais que ma première fois, ce soit avec toi. Waouh. Désolée, Charlie, mais je pense pas que sa copine apprécierait. C'est qui, sa copine? C'est moi-même. Pas possible, Dala, c'est trop canon. On pourrait faire un plan à trois. Désolé, mais à trois, c'est juste pas possible. À part peut-être pour Miss Behave. Eh bien, on verra ça lorsqu'elle viendra nous rendre visite demain. Mais en attendant, je vous propose son nouveau single, Bad Girl. Hé, hey, maman, tu écoutes Swag FM? Oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis branchée. Waouh. Maman. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Tu m'espionnes. Cette fois, je t'ai pris la main dans le sac. J'ai beaucoup de chaussures dans mon placard. Je me demande combien de femmes sont dans le tien. Maman, ce sont juste des amis. Ce ne sont que des rancards, rien de plus, maman. Est-ce une façon de parler des femmes? Des rancards? Est-ce que tu te protèges? Maman? Je suis assez vieille pour comprendre. Tu utilises des capotes? Bien sûr que oui. Toujours? Ça dépend, maman. Si on se connaît depuis plus de 3 mois, on essaye de trouver une sorte de compromis. Alors là, surtout pas. Aucun compromis. Vaut mieux être prudent. Maman. Toujours. Je sais ce que je fais, d'accord? Fais-moi confiance. J'ai la tête sur les épaules. Tu pars encore en voyage? Je pars juste rejoindre ton père à Washington. Jusqu'à mercredi. Ma maman, la diplomate. Maman, je suis tellement fier d'être ton fils et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu seras également fier de moi. Oh, et moi, je serai fier de toi le jour où tu trouveras enfin la perle rare que tu épouseras, d'accord? Mais Femi, c'est quoi ton problème? Mon meilleur ami est incroyable. Il a une nouvelle nana pour chaque occasion. Oh. Non mais Léo. Ah ouais, c'est tout. Tu sais quoi? Tant que tu y es, tu pourrais déposer un panneau publicitaire dans la chambre de ma mère. Ma mère, c'est exactement ce que tu es. Je crois qu'elle a pas non, besoin Dala, j'aime de pas Fred. Ça. Hey, salut maman, les amis. Mr. Kino. Comment tu vas, frangin? Écoutez, tout le monde ne parle que de mon émission d'aujourd'hui à propos de la soirée noire et blanc. C'est trop génial, j'en reviens pas. Une seconde, j'arrive. Allô? Et ça, en prévision du carnaval très bientôt. Hey, Femi, j'ai entendu dire que tu faisais venir Banky W Whiskey du Nigeria. Ouais, mec. Super. Mais il y a un souci. J'ai besoin de Miss B en première partie. Elle va refuser. Le temps où elle chauffait la salle pour les autres, c'est fini. Faut que j'essaye. Je dois la voir demain en personne, après l'émission de Léo. J'utiliserai mes super pouvoirs pour la convaincre, tu vois ce que je veux dire. Super grand pouvoir. Kennedy, combien de fois dois-je te le dire que ce n'est pas la taille qui fait ma force? Voilà comment je dépense sur les femmes. Les crédits de téléphone, les invitations à prendre un pot, invitations à dîner. Je donne aussi pour la coiffure. Elles vont me tuer, je te jure. Hey, tu sais, Ken, c'est pas un rancard à 2 balles. Je vais devoir le coacher pour qu'il assure. Les garçons, vous savez que lui a obtenu une colonne dans Swag, hein? Ah? Quoi? Hey, wow. Sérieux, là, la charge de communication. Vous savez quoi? Il faut qu'on aille fêter ça. C'est pour le sexe électrique. Ça, c'est pour tous nos bons moments. Hey, tu te souviens combien Léo était malheureux lorsque Virginia est rentrée en Afrique du Sud? Il s'en est visiblement bien. Ouais, je vois ça. Salut. Comment ça va? Ça va. Je t'offre à boire? Non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Si jamais tu changeais d'avis. Bonne nuit. Hey Ray-Ban, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me laisses en aller? Ce mec est vraiment... Comment? Tu
c'est un gros menteur. Et comment tu le sais? Il porte une alliance. D'accord, alors. On va porter un toast aux hommes honnêtes comme mon Léo. Je vous en prie. Hey Ken, tu fais quoi là? Oh, je suis juste tranquille, super cool. J'attends la nana qui me tapera enfin dans l'œil. Juste un petit conseil. Lorsque tu vois une nana qui te plaît, il te faut surtout utiliser tes yeux. C'est très important. Ouais mec, regarde-la d'une certaine façon et elle se sentira très spéciale. Et tu sais quoi? Elle sera complètement séduite. Et tu sais ce que tu as à faire? Un verre et quelques petits mots doux. Car, intéressé ou pas, tu l'auras. Tu sais, c'est de la théorie. Tu racontes n'importe quoi, mec. Tu trouves que je raconte n'importe quoi? Mmh. Ok, allons-y, passe vos filles. Celle qui a les courbes là-bas. Oh, une minute. Mmh. Une minute. Hey. Aujourd'hui, ça fait 5 mois et 28 jours qu'on est ensemble. Tu réalises? Tu réalises? Tu te souviens de ce que j'ai dit lorsqu'on atteindrait la barre des 6 mois? Tu disais qu'on pourrait alors le faire sans se protéger. On a fait le test et on connaît notre statut. En effet. Alors t'en penses quoi? Je crois que je vais adorer la conversation qu'on aura les 2 prochains jours. Et si je te disais que nous y sommes? Ah bon? Ouais. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Ça me plairait beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la station radio? Vous êtes... Oui, c'est moi. Alors? C'est où en fait? Oui, c'est par là. Misbehave. Salut. Il paraît que t'es vraiment déjantée, c'est vrai? Je peux l'être autant que tu le veux, bébé. Ok. Et à propos des photos sexy sur le net? Oh, tu les trouves sexy? Eh bien, je ne ferai surtout pas de commentaires en direct. Eh oui. Dis-moi, c'est fait exprès? Pour qui est-ce que tu me prends? Ta nouvelle chanson a pour titre Bad Girl. C'est juste une remarque. Faut pas croire tout ce que tu entends, Léo. Ah oui? Mm-hmm. Alors dis-nous, elle parle de quoi ta chanson? En gros, cette chanson parle de l'usage de la conscience et de l'amour à de mauvaises fins. L'amour ne vient pas forcément avec la conscience. Et vice versa, c'est interchangeable. Y a-t-il quelque chose de personnel dans cette chanson? On peut dire ça, oui. À quel point? Tout ce que je peux dire, c'est que je crois en l'amour. Mais ça doit être prouvé par des actes, et pas seulement avec des mots. À ta place, je retirerai ce que je viens de dire. Pourquoi? Eh bien, je me suis fait taper sur les doigts dans la dernière édition de Swag pour avoir dit quelque chose de pareil. Tu sais, l'amour est aujourd'hui devenu un sujet extrêmement délicat au Kenya. Je pense que les gens veulent se la jouer cool, comme si ça leur disait rien. Mais si jamais une fille venait vers toi, Léo, ouais. Et te déclare son amour, et tu la regardes dans les yeux, et elle prononce ces 3 mots magiques qui proviennent directement de son cœur, dis-moi, est-ce que tu lui dirais non? Es-tu... Mais tu viens de dire que l'amour, ce sont des actes, et non des mots. Waouh, enfin un homme qui m'écoute, c'est très rare. Ouais. Alors, j'espère qu'on se reverra. Thank you.
Bonjour, mon rayon de soleil. Oh, je vois que je viens de te tirer. J'ai raté l'émission. Ne t'inquiète pas, Della. Je leur ai dit que tu étais malade. C'est vrai? Merci, bébé. Tu dois l'avaler d'un seul trait. Oh, d'accord. Maintenant, la deuxième partie de mon remède miracle. J'aime bien l'acte 2. Bébé, j'ai un truc à te demander. Ah oui? J'ai écouté ton émission et j'avais comme l'impression qu'entre toi et Miss B, il y avait quelque chose de spécial. C'est une femme intelligente, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. C'est pas ce que je veux dire. Tu ressens quelque chose pour elle? Non, chérie. Alors, tu sens ça? Tu sens ça? Ouais. T'as toujours l'impression que je kiffe Miss Behave? Non. Viens là. Ce spectacle est celui que tout le campus attend. Ça va cartonner. J'ai parlé au manager de Whisky et ils l'ont déjà réservé avant le festival de Lagos. J'ai vraiment besoin de toi sur ce coup. Si c'est lui le rôle principal, alors j'ai quel rôle? Un rôle important. N'est pas le rôle principal. Quel genre de message est-ce que tu crois que ça enverrait à mes fans? Femi, hey. Salut, Frangin. Ça va? Comment tu vas? Salut. Salut. Écoute, si je tombe mal, je peux repasser? Non. On a fini, c'est bon. Oui, Miss B, j'adorerais t'attribuer le rôle principal, d'accord? Mais j'ai déjà discuté et négocié avec les gens de Whisky. Et je ne peux pas revenir sur ma parole. Tu comprends? Alors, voilà ce qu'on va faire. Donne-moi le même cachet. Et j'y serai. Parfait, ça roule. Marché conclu. Génial. Je chante au Tribe ce soir. Ce sera une soirée exclusive au corps des ministres. Et vous êtes tous les deux mes invités. Bye. Yo. Mec, on y va ou pas? Ça promet ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, laisse tomber. Merci de m'avoir filé un coup de main. À plus tard, mec. Ça roule. Je suis vraiment désolée pour ce matin. C'est pas grave. Je t'aime. Trop, tu sais. I almost forgot this. My name is Candy. Je crois que je vais prendre un Bloody Mary. Qu'est-ce que tu bois? Moi, ça va. Allez, bois quelque chose avec moi. Non, chérie, je pense que tu devrais y aller mollo ce soir. On est vendredi? Bloody Mary. Hier, c'était quoi le truc déjà? On fêtait le nouveau job de Violette. Écoute, je suis pas d'humeur à faire la fête ce soir. Je vais y aller. D'accord, alors allons-y. Non, ça ira. On se voit demain. D'accord. Salut. Salut, Femi. Je peux te tenir compagnie si tu veux. Non, je voudrais pas gâcher tes chances de rentrer avec une nana ce soir, alors sinon. Écoute, Dala, tu sais que quand je suis à côté de toi, je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Pardonne Dieu quand tu dis ça, arrête. La seule femme qui m'intéresse ne veut vraiment pas de moi. Ah, je suis désolée, mon gars. Gotta admit, boy, you're fine. Gotta admit, boy, you're fine. If I had
Ma gorge est si sèche que toutes ces poissons ne calmeraient pas ma soif. Et la seule capable de le faire ne veut pas m'aider. Ok, Femi, sérieusement, tu devrais vraiment écrire un bouquin de réplique à deux balles. Mais je suis sérieux. Ah ah. Quand tu as de la pratique, tu développes un genre de sixième sens. Je veux dire, tu le ressens. Tu ne peux pas le ressentir, Femi. Cette maladie peut atteindre n'importe qui. Jeune, vieux, en forme ou pas. Je le sens et je ne sais pas pour toi. Mais. D'accord. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une minute. Ah, je reviens. L'eau gazeuse est la meilleure chose à boire après un concert. Ça me requinque. T'en veux? Tu me veux, moi? Alors? Déshabille-toi. T'as des condoms? J'ai trop envie de toi. Moi aussi, ma chérie. Je te jure, moi aussi. J'ai vraiment envie de toi. Ma chérie, j'ai pas de préservatif. Je t'en prie. Dis-moi que t'en as un. Y'a pas de risque. Et toi? Pas de risque, moi non plus. Je fais mon test tous les 3 mois. Alors? Allez, si tu me fais confiance, alors je te fais confiance. D'accord. On devrait rester ici. Se cacher du reste du monde. Jusqu'à ce qu'on en ait assez l'un de l'autre. Je pense pas. Écoute, je ne veux pas te mentir. Oh. Oh. Je vois. Je suis tellement stupide. Je suis désolée. Va-t'en, avant que quelqu'un en souffre. Tu me plais vraiment beaucoup. Tu es sûre? Alors choisis. Parce que je n'aime pas partager. Sekumoja asubu inama pema. Niliamka kufanya vitu zangu. Nikatembea kwa duka kurudisha chupa. Chupa ya soda nilinunua juzi. Then he drove by me in his fancy car. And he asked me if I want to know him. Pole pole, pole pole, let's take it.
If I'll be